On reprend une partie de Let's Play, mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir ici en bas, eh ben, on a changé de snapshot. On est passé à la 21W16A, une nouvelle snapshot, une nouvelle édition qui, fort heureusement, nous permet toujours de jouer avec la version. Donc je change le nom, je sauvegarde et je relance. Ah, si, il y a quand même une petite différence. Donc je sauvegarde et j'ouvre. Non, je sais ce que je fais, j'ai pas peur. C'est pas très important, c'est pas une partie très très importante. Alors, donc dans cette nouvelle snapshot, eh bien, il semblerait que l'on ait des nouveautés au niveau des caves, hein. C'est bien sûr une mise à jour qui concerne cette partie-là. Et on va aller voir un petit peu tout ça. Il y a ce qu'il faut pour sortir, pour descendre. J'ai de quoi manger. Ouais, c'est bon. Allez. Donc, j'ai vu dans les différentes informations, beau raté, que l'on allait avoir des minerais qui allaient encore changer de texture. Ça devient une grosse habitude. À croire que bah, ils savent pas, ils savent pas laquelle choisir. Et puis, il y aurait des mouvements sur les stalactites et les stalagmites. Alors, on va tout de suite descendre dans une cave pour vérifier tout ça. Alors, niveau texture, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup beaucoup de changements. Et ici en interne, le fer brut. Oui, ça ressemble. Pas beaucoup de changements à mes yeux, là, à première vue, par rapport à la version 25 de ces derniers jours. Ouch, ouch, ouch. Allons voir par ici. Le cuivre n'a pas beaucoup changé non plus. Enfin, à première vue, non, j'ai pas le sentiment d'avoir un gros changement. Ouais, bon, ça va, vous les meubles. Allez. Oh, le beau raté. Et mon chat n'est pas venu avec moi. Rêver, mon chat n'est pas là. Oui, bon, pas gros changement. Alors, autre point qui aurait changé, on est sur les stalactites. Il va falloir aller trouver du stalactite. Est-ce qu'on va avoir ça dans cette cave-là ou est-ce qu'il va falloir que je creuse pour aller plus loin? J'ai bien l'impression qu'il va falloir creuser un peu. Allez, on essaye. Ah.
Bien, ben voilà un endroit superbe pour tenter de ressortir de cette cave. J'ai de quoi, oui, j'ai de quoi remonter. On va tenter de faire ça, une remontée, parce que je n'ai plus que deux torches et donc je vais pas pour pouvoir poursuivre mon investigation dans la cave. Allez, on remonte au plus loin possible. Et pour redescendre, il suffira de faire un gros trou et de prévoir de quoi descendre. Mais bien entendu, je ne descends pas sans faire ménage. Du sable, tiens, tiens. Bon, c'est limite dangereux ce que je fais parce que je vois pas ce qu'il y a au-dessus. Très bien me retrouver avec du gravier sur la tronche. Et me faire mal. Allez, on part sur cette technique-là. On continue à remonter. Eh ben c'est cool. Donc vous avez vu la technique, hein. La torche en dessous a permis à ce que le sable ne me fasse pas de dégâts. Tout simplement. Et là c'est assez excellent parce que j'ai l'impression que je suis vraiment pas loin. De chez moi. Ah quand même. Ok. Je suis parti de là-bas tout à l'heure et me revoici ici. Bon bah c'est pas si mal que ça. C'est un bon emplacement. Et donc là je vais faire un peu le ménage et prévoir donc de quoi remonter. Pourquoi est-ce que je me fais mal? Bref, allez, allons préparer des échelles, des torches et quelques nouveaux outils. Donc les blocs d'améthyste, ils n'ont pas l'impression d'avoir changé, les pierres d'ardoise non plus. Pierre d'ardoise. Le basalte. Non, pas de changement radical là-dessus, mais bon. Allons préparer ça. Non, c'est pas ce que je veux voir tout de suite. Par contre, je vais récupérer un peu de ça. Enfin, un peu. Où sont-ils? C'est toi? Non, c'est pas toi. Là, j'ai ce qu'il faut en flèche. Tu montes de niveau? Oui. Tu proposeras quoi? Non. Sympa, mais ça sera pour plus tard, la hache en diamant. Toi, le maçon, je vois pas ce que tu vas m'apporter. Ici, ben, ça serait pour plus tard.
Ok, pour l'instant, on va se contenter de ça. Et là, bah, j'aimerais bien aller chercher du diamant. Trouver surtout du diamant. Alors, on a dit... Hop, voilà, ça c'est bon. Du bois par contre... Chier, ouais, d'accord. Si, c'est bon, on a ce qu'il faut quand même là. J'ai de quoi descendre. Ouais, je vais en faire encore un peu. Non, c'est n'importe quoi. Ouais, on va aller jusqu'au bout. Voilà, là on est pas mal. Oui, le chat. L'idée, ça va vraiment être de descendre juste pour aller chercher ça et pour aller voir si on trouve du stalactite. La cisaille, j'en ai pas besoin ici. Je peux la laisser et la houe. De la même façon, on la laisse par là. Allez. Il va être temps de penser à changer tout ça, mais on fera ça à la prochaine, au prochain retour. Peut-être remettre un point de repère ici. Et on descend par là. Voilà, ça c'est ce que... Ah, je viens de faire n'importe quoi. Mais non, je fais n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Alors, hop. Ouais, qu'on change de sens là.
Vous l'avez vu celui qui m'attend en bas là? Non, c'était pas toi. Au bruit, je pense que je l'ai eu. Mais il n'y a pas que lui qui m'attend en bas. Voilà, c'est lui que j'avais entendu et que j'avais aperçu tout à l'heure. Oh, j'aurais aimé que ce soit un diamant que t'es dans la main. Tant pis. Alors, on termine l'escalier. Oui, un petit peu perfectionniste, peut-être un petit peu. Voilà. C'est ici qu'il faut venir et j'ai oublié un truc important. Quoi fabriquer des coffres pour éviter d'avoir à remonter 15 fois. Ouais, là ça c'est pas. Ouais, ça veut dire que côté il y en a déjà un morceau. Bon, ça c'est un coup à se casser la gueule. Juste pour avoir à changer. Non, c'est pas là. Quoi? Ici c'est pareil, ça peut être dangereux, il peut y avoir un petit monstre qui m'attend. Style un creeper. Et juste au moment où tu remontes en te disant tranquillement « Ouais, c'est bon, j'ai fini mon tour. » Et boum, il t'explose la tête. Donc on va éclairer un maximum. Quand on parle du loup. Exploser, je m'en fous. Donc je pense à refermer ça quand même. Le chat, pousse-toi. Voilà, ça suffit pas. Hop là. Bon bah ça c'est une des façons de refermer. Non non, viens par là le chat. Bon, pour l'instant, toujours pas de stalactites. Je vais retourner en bas, mais seulement, j'ai dit, après avoir été chercher du bois pour faire des coffres. À passer à côté d'une réserve de charbon.
sans aller taper dedans pour la réserve de matières premières, mais aussi, et vous l'avez entendu, pour prendre du niveau. Ils étaient combien à m'attendre là? Consommation de mémoire élevée, me dit l'ordinateur. Alors, on va arrêter l'enregistrement ici et puis on reprendra un petit peu pour redescendre sur dans la grotte par là-bas un petit peu plus tard. À très bientôt.